Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vais vous présenter un nouvel album photo, un petit, un tout simple. Vous allez voir, rien d'extravagant. Encore une fois, j'ai utilisé le papier Snow Day de la marque Ciao Bella. Tout simplement, cet album photo n'était pas prévu, mais j'ai mon neveu qui m'a téléphoné parce qu'il lui fallait deux albums photo pour les cadeaux de Noël. Un, qu'il a trouvé son bonheur en boutique. L'autre, eh bien, ce papier lui plaisait vraiment beaucoup. Du coup, on a fait un petit folio. J'ai carburé puisque je l'ai réalisé en 2 jours. Du coup, donc c'est un petit folio qui représente à peu près 30 photos puisque c'est un cadeau pour la grand-mère de la part de lui et ses deux frères, donc il voulait à peu près 10 photos chacun. Donc voilà, on va ouvrir ensemble. Donc j'ai utilisé le papier Snow Day, j'ai utilisé du cardstock couleur stone et du cardstock couleur beer. Et voilà, voilà, voilà. Donc vraiment très très simple. J'y avais montré les photos de l'autre album photo que j'avais réalisé, que vous avez pu avoir en tuto. Je vous le remettrai dans le petit. Il est vraiment mou. Il est vraiment 1, 2, 3. Il aimait vraiment beaucoup ce papier qui lui rappelait Amsterdam. Donc du coup, je l'ai réutilisé. Les papiers de Ciao Bella parlent d'eux-mêmes. Hein. Vous savez bien que moi, j'aime pas quand c'est chargé. Lui non plus. En plus, il est actuellement à la maison. Donc j'ai pu voir avec lui au niveau de la couverture si je mettais plus ou pas. Donc ici, donc ça se ferme avec un petit ruban. Donc le papier stone m'a servi surtout à mater au niveau des tranches pour qu'il puisse durcir. Et aussi, vous allez voir, pour les livrer là où j'ai mis des espaces photos. Donc voilà, j'avais envie de deux pages qui se représentaient, enfin qui allaient ensemble. Donc on ouvre ici. Donc comme je vous ai dit, 30 photos. J'ai pas mis énormément de décoration. Hein. Hop. Là, ici, donc comme je vous ai dit, donc je fais les 30 photos, donc elle en fait, il en a 31 exactement. Ici, alors j'ai mis en 4 comme ça, tout simplement parce que il aimait bien le fait qu'on ouvre tous. Voilà, ici, il aimait bien le fait qu'on ouvre que tout soit visible comme ça quand j'ai montré d'autres albums photos. Voilà, j'ai repris un petit peu ce qu'il aimait bien les autres que j'ai pu lui montrer quand il est venu vendredi. Donc ici. Ici, on ouvre. Hop là, il y en a 4 photos. Et ici. Et ici. Un autre livret. Au niveau du dies que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je vous le mettrai dans le petit i. J'ai plus la pochette. Je l'ai acheté sur la boutique Horizon Créatif. Vous savez, c'est ceux qu'elle vend à l'unité, donc en 21, je crois, de hauteur. Ici, encore ici une photo. Ici, j'aime vraiment beaucoup. Hop, là et là. Et on ouvre ici. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, un album photo vraiment assez simple, qui reste quand même très joli. En même temps, le papier fait tout, hein. On va pas se le cacher, hein. C'est juste un truc, voilà, de dingue. Le premier album photo comme ça qui sera donc du coup pour la grand-mère. J'ai très très hâte d'avoir le retour et bien de mes deux autres neveux, puisque bah, le premier l'ayant vu là tout de suite, et d'avoir les retours aussi de la mamie et de la tata. Et de la tata, bien sûr, puisque le second est pour la tata. Donc voilà, voilà pour ça. Moi, je vais aller faire quelques petites photos pour pouvoir mettre sur Instagram. J'espère que cette vidéo toute simple, hein, rapide, c'est pas un gros album photo, c'est un petit mini, hein, vous aura plu. Bien évidemment, ce sont des papiers que m'avait fourni Ciao Bella, donc ça reste, malgré que mon
partenariat prend fin, puisque ça y est, les 6 mois sont écoulés, c'est passé à une vitesse de dingue. Ça reste quand même eux qui m'avaient fourni les papiers, donc ça reste en partenariat avec eux. Donc voilà, voilà, j'espère que ça aussi vous aura plu. Moi, je fais plein, plein, plein de gros bisous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.